Hi guys, and welcome to the Retro Avant-Garde Film Festival. Hello to all filmmakers and our audience. Today, we have special guests, winners of Retro Avant-Garde Film Festival, Guldem Durmaz and Denis Lavant. Guldem is award-winning director of the film As We Dig It, where Denis Lavant plays the lead part. Denis is a very talented award-winning actor, and it's our great pleasure to have you with us, guys. And I have my co-host Magali. She will be speaking French with Denis, and we're going to conduct a two-language interview. Hi, everyone. Hi. Thank you. Thank you so much. Hello. Hello. Здравствуйте. I know that Denis also speaks a little bit of Russian, so we can put it somewhere in there. So I'm going to start. Guldem, it's so good to see you again. Congratulations on your film. And we prepared a couple interesting questions for you. And the first one is, how did you create the character of Kentauro? How did you create the whole character? Okay, in Kazakhstan, so as you know, it's a long process, but after a few years of doing the editing with all my personal footage and images, more like a documentary film, I realized that I needed a companion, a friendly spirit with me, in the process also of healing. You know, there is this word, a diagnosis, which means sharing knowledge together. So I imagine the presence of Chiron in Kazakhstan, and obviously for me it was a role written for Denis, who is such a great actor and taking risk, a lot of risk, and it was something like an evidence for me, so to propose Denis to act in Chiron, in Chiron's hybrid body. I know. I can't imagine how you could possibly create the character. What was your inspiration to create the character? So it was after researches on Greek mythology. And the story of it was the instructor and the mentor of the of Asclepius, who was the god of the of medicine, of the doctors. Mm-hmm. So he was the teacher of all the gods and Asclepius. So that's it. Cool, very great. Yeah. Magali, do you want to? Yes. Denis, comment est-ce que vous vous êtes préparé pour incarner ce personnage, justement, le personnage de ce film? Et est-ce que vous avez une technique d'acteur en particulier que vous utilisez? Aucune technique. non, je ne peux pas dire. De toute façon, comme on confie des rôles très particuliers, ça, c'est en dehors de toute technicité, quoi. La seule attitude que j'adopte à chaque fois, c'est d'être curieux et de savoir comment je vais pouvoir, par quel bout, c'est prendre un personnage. Alors, quand on fait un centaure, c'est bon, particulier, c'est un centaure, mais aussi le guide spirituel de Guldem, qui joue son personnage, qui est en quête d'elle-même et de son histoire dans son propre film, dans Kazarken. Donc c'est quand même déjà cette relation-là. Et avec Guldem, on a déjà un passé d'expérimentation de films. J'ai joué dans ses premiers films qui se passent à Istanbul. Il s'appelle chauffeur, l'histoire d'un chauffeur de taxi sans voiture, une sorte déjà un rôle un peu particulier. Là, c'est bon, j'ai pas de voiture, mais je suis en cheval. Alors déjà, la rigueur que demande le rôle, c'est de s'adapter à la panoplie du cheval. C'est-à-dire on m'a fait un cheval sur mesure, un train de cheval sur mesure, mais c'est quand même un truc particulier à porter, quoi. Et puis, il y a le contexte.
fait qu'on a tourné dans des carrières en Belgique, en Flandre, je ne sais plus dans quel... Vers Rimst. Vers Rimst. Rimst, okay. Ouais, vers la frontière allemande, ouais, en fait. Ouais. Et donc, d'être en sous-sol, habillé en cheval, et voilà, juché sur des sortes de cothurnes, de sabots, qui me faisaient extrêmement mal aux pieds, en tout cas pour les mettre comme ça, et d'être finalement dans une grande contrainte physique, parce que je ne pouvais pas bouger avec mon costume. Pas du tout, quoi. J'étais vraiment ancré dans le sol et d'essayer de trouver l'esprit, en fait, de trouver l'issue pour l'esprit, la parole de ce personnage de l'Antiquité, de ce personnage mythologique. Et ça, j'ai souvent joué des personnages un peu mythiques, un peu Deus ex machina. Donc, c'est une posture que j'adopte facilement. Mais il n'y a pas de préparation préalable. C'est d'appréhender le texte et d'appréhender la posture. Voilà. Donc, j'ai trouvé une issue. C'est plutôt instinctif, en fait. Hein ? C'est plutôt instinctif. Totalement. Ouais. C'est, ma méthode, disons, c'est que de l'instinct, de la curiosité et de la disponibilité pour épouser des... Et peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des prises de risque aussi. La curiosité. Ouais, c'est pas bon. Je me méfie avec le terme prise de risque parce que bon, c'est très très relatif. Mais c'est surtout d'être curieux. Il faut pour que j'accepte un rôle, il faut que le personnage il fasse écho en moi, qu'il y a un écho, que ça m'intéresse, ça m'inquiète, ça me touche. Et après, c'est plutôt de supporter un grand inconfort momentané qu'une vraie prise de risque. Vous voyez, c'est pas tellement périlleux. Sauf, il y a un moment donné qui était un peu périlleux pour moi, c'est quand ils ont eu l'idée de faire venir un vrai cheval pour filmer les pattes qu'on voit dans le film, les pattes du cheval, qui étaient à côté de moi. Et moi, j'étais à moitié en cheval. Et j'avais très peur que le vrai cheval soit pris un peu de susceptibilité de voir que j'avais une partie de cheval et qu'il veuille intenter un procès ou je ne sais pas quoi. I have no idea what you said, but it was wrong. I really enjoyed it. I was like, I was so passionate and Magali, you have to tell me after everything. What the cool? Tu sembles un peu perdu. Tu veux que je t'aide? Oui. Ferme les yeux. Maintenant, regarde. I loved it. No, the thing that Denis says, it's true that in my first movie, it was the same. It's the thing that we share same, maybe send, ideas or of this. And then when I propose him the project, then after that, we don't talk too much. We don't... it's not intellectual, anything. We just, it's a proposition of a situation with a strange character. And inside that, by playing with the element and the constraint and trying to find solutions with the body and the situation, at the same time, I think this is the way we proceed. And also, I think it's when I was talking about taking a risk, and I think it's about that. It's also a question of being a child, like a child, comme un enfant, and playing with what's happening. So it's a lot of pleasure, and that's it. I think not Stanislavski ni actor studio. I think no technique. It's a little bit impossible with Chiron, but yeah,
That's so funny. I actually was going to ask you, Golden, how did you meet Denis? And when you offered him a role, a part in the film, did he agree right away? What was the process? And how did you meet each other, since you said you were writing the part just for him? You had him in mind. Yeah. So Denis and I, we know each other since, 1990. It's a long time, something like that. It's from last century. And we act also together. So yes, in a little film, Drôle d'immeuble. Drôle d'immeuble by Jacques Prévert, the poet. Yeah. Yes. And poet. So we know each other from last century. And when I decided to propose him the film Chauffeur, it was one of the first draft of the scenario. So, but I told him, well, I want to do this. Are you in? And he said, okay, let's go. Mm-hmm. And then I, of course, all the production and et cetera process. And when the time came for the shooting, we went to Istanbul and we had this adventure. And also, it's a strange story, so Chauffeur. Maybe I can tell also about that, because it reminds me of that. During the shooting in Istanbul, it was funny because the story is about a guy who drives an invisible car with only a how do you call this? A direction. Wheel. How do you call it? A wheel? Yeah, a wheel and a mirror. So in the streets of Istanbul. So it was also an experience that we lived, and it was based upon a madman in Istanbul that was known for driving an invisible car. So mm-hmm. I was wondering, in Istanbul, are we going to meet this guy? So we didn't meet the guy, but we met another madman who was known for believing that he was a cowboy, that he was John Wayne, on his horse. Mm-hmm. And we met this guy, but without horse that day, and he's also in some frame inside the film. But what is funny is years later, when we made a Kazarken together, is that we found we found his horse somehow in Kazarken, the horse of the second madman. I mean, it's a play with the mind and the things, and this is where the poetry also is, maybe, and the threads that we can link together. Yeah. Yeah. Last time you said that it took you 10 years to make the film, right? Yeah. So it was with Denis, it was the last two years of before finishing the film, mm-hmm. From the writing of the more fictional part of the film, mm-hmm. or the fantastic part. Yes. I don't know. Et justement, Denis, quand vous avez lu le script, pardon. Non, enfin une question du français, je comprends un peu. Mais justement, je me demandais qu'est-ce que vous avez pensé, la première chose que vous avez pensé en lisant le scénario, le script. Ah, j'ai trouvé ça passionnant. Parce que autant le premier film qu'on avait fait avec Güldem, ça se passe à Istanbul, mais c'était une pure fiction. C'était vraiment un récit imaginaire. Cette rencontre avec une jeune femme et un chauffeur de taxi sans taxi. Mais c'était très jubilatoire à faire, en tout cas, très fantaisiste et excentrique un peu, en même temps avec une petite histoire romantique. Et puis le fait d'être précipité dans un endroit que je ne connaissais pas, une ville, une culture en Turquie, à Istanbul, c'était une merveilleuse façon de découvrir Istanbul. Et après, le scénario de Kazarken, j'ai trouvé ça... C'est encore autre chose. C'est parce que j'ai perçu que c'était une quête personnelle d'aller chercher, de remettre en question ses souvenirs, son histoire, un trauma.
matisme. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus identitaire et d'aller comme ça, de façon improbable, essayer de réunir les lignes, les parcours de différentes existences de sa famille liées à une sorte de moments de traumatisme d'enfance ou voilà, d'errance et d'essayer de refaire le lien entre sa vie d'aujourd'hui, parle pour Guldem, et l'histoire, sa propre histoire, l'histoire de sa famille, de ses ascendants. Et je trouve que c'est passionnant, justement, d'essayer de prendre, pas de vouloir raconter quelque chose d'imaginaire, mais de partir du concret, ce qui n'empêche pas du tout, justement, une grande poésie. Et puis, tu avais vu les images aussi. Oui, oui, ouais. Oui. Les images, bah, les images du documentaire. Oui, the thing is we did the editing of the documentary part of the film, so the rough cuts. So Denis saw the film. So that's why also his character is a kind of really a partner from the fiction of the movie, because he saw the film before acting in it, in some way. Ouais. Et puis c'est une manière, parce que évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que Guldem avait filmé auparavant. Moi, j'ai presque conclu le tournage du film en jouant le guide spirituel sous forme de centaure. Et là où ça m'importe, en fait, c'est presque une manière de faire connaissance. C'est pour ça qu'on a cette jeune femme que je côtoie depuis des années. Mais en même temps, elle a tout ça, toute cette histoire-là derrière elle, qu'elle essaye d'en tirer les fils. Et voilà, c'est même, on dit, dis donc, c'est impressionnant, quoi, d'être confronté au passé de quelqu'un qui est quand même proche. Qui est une amie depuis de longue date, quoi. Donc voilà, c'est très intime, en fait. Hein? Finalement, c'est à ça que ça sert, pour moi, le métier de comédien. C'est d'approfondir de la connaissance avec l'autre, d'entrer en relation comme ça, physique, mais aussi spirituelle, et puis de pouvoir appréhender aussi le monde d'aujourd'hui en compagnie, en bonne compagnie. C'est ça, il faut se faire confiance. Oh, nice. Well, I'm going to listen everything and she's going to translate me. I'm very curious. Guldem, I want to ask you a question about your working process on set. How much do you allow actors to do by themselves, and what's your limit on their own imagination? And also, if you want to... share any interesting story that happened on set, or like something funny, crazy, scary. For me, as I was telling before, it's energy. Yeah. The thing is, as I was saying before, for me, the filmmaker, the way I proceed is inviting the actor inside a disposal or a proposition of situation. And also it's half the way in the, it's already half of the work. I mean, then the actor arrives and he's a creator also. He's also an artist. So he arrives with his propositions. Mm-hmm. And it's also the way you, maybe by details on physical or the voice, but it's a partnership. So I would say I don't have any limits. Apart from the limit of the frame or things like that, you know, you have I think it's Denis. He wrote a book recently. Tu veux que je te le montre? I can do some. So I think Denis in the book. Sorry, I did my. Okay. I think he was.
he was saying that an actor is also a pilot. So I consider him as a co-pilot in the sense that I don't make too much differences, and also because we were acting together, so I was both behind the camera and in front, so it was also a bit specific, maybe. Yeah. But Denis was saying in his book, he was saying, and it was so clear for me that in the consciousness work you have of an actor, you have three layers during acting. You have the layer of the one who does a self-induction in some way, and the pilot, which is the second layer, which means the technical aspect with using the physical movements, articulations, etc. And also the third layer, which is the point of view of a bird upon all the scene, you know? Uh-huh. And I think the interest of in the acting is to have access in this moment of viewing all the scene. And I don't know if it's, I know that you're also an actress, so yeah. I don't know if you know what I mean. And the only way to that is practicing the present tense. So I think Denis is really a crafter in this, in that area of practicing the present tense. Mm-hmm. So it's being, as Denis said, is being it's all about being available in the present tense of the shooting. So you have to be aware of all what's happening and not putting too much limitations on imagination. Yeah, no, that's great. It's the best director to work with, you know. That's awesome. You never know the freedom. and being simple as a child also. This is the with all the actors and non-actors also, yeah. while you're playing. Yeah. We've all been children, so bad advice. Et moi, j'ai encore une question pour Denis. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez maintenant? Je peux. Merci. en ce moment-là, présentement, je travaille sur un objet théâtral, spectaculaire, assez particulier, parce que c'est une artiste... qui est actrice, qui est performeuse, qui s'appelle Carel Prugnot, et qui a eu l'idée de me mettre en relation avec un grand artiste de cirque, qui s'appelle Nicolaos, qui est un jongleur équilibriste, et de faire une sorte de duo avec du texte, avec les arts, avec une technique de cirque, avec du numéro, quoi, de la performance plus acrobatique, et du jeu d'acteur, de trouver cette relation qu'on est en train de forger de toutes pièces avec un texte d'Eugène Durif qui est en cours d'écriture, s'appelle Tambourine Man. Donc moi, je suis censé être Tambourine Man, c'est-à-dire une sorte de personnage archaïque, un peu monstrueux, qui hante les villages, et l'inconscient, qui est une sorte de croque-mitaine, qui est entre le croque-mitaine, l'ogre, et le chasseur de rats, le joueur de flûte, vous voyez, de Hamelin, celui qui emmène les rats, et puis... ensuite qui emmène les enfants finalement parce que les notables de la ville refusent de le payer pour avoir emmené les rats nettoyer la ville des rats. C'est un peu une légende un peu européenne très très connue, et voilà, c'est ce personnage là qui est confronté à un type qui a un café, une sorte de grand misanthrope qui a un café qui jongle avec les verres, et c'est une rencontre poétique, musicale et dramatique,
et comique, je l'espère aussi un petit peu, là qu'on est en train d'échafauder depuis une semaine et qui devrait voir le jour le confinement nous le permet, ou le déconfinement nous le permet plutôt, si on arrive à résoudre cette question de pandémie un petit peu, au printemps, en mars. Voilà, okay. Donc c'est un projet vraiment passionnant, mais qui est en pleine réalisation. Waouh! Waouh! Ça donne envie. Montrer, hein. Ça donne envie de voir, en tout cas. N'est-ce pas, hein? I wish I could say something. It's really wonderful watching you. I will say thank you guys so much for coming, and it was pleasure and joy, and I really enjoyed it. I have no other words. And congratulations on the film. And did you just write this new book, or is it Je l'ai écrit, je l'ai fini de le concevoir. C'est un livre qui est parti de partir d'entretiens oraux et que j'ai repris, que j'ai retranscrit parce que la parole ne suffisait pas. Il fallait repasser par l'écriture pour préciser beaucoup de choses. J'ai fait quand même en 2-3 ans et j'ai pu le conclure, l'amener à terme. Pendant le premier confinement, où j'étais brusquement totalement libre au printemps dernier. Et donc, j'ai pu le boucler votre Kniga. Votre Kniga. Échappée belle. Ouais. Échappée belle. Et vous avez pas risqué? Как на русском? Échappée belle. Échappée belle, how do you say in English, Magali? It's how to escape beautifully. Yes. Oh, well, I would say that. It's hard to translate. Stop. Well, congratulations on the book. Yeah, thank you. Very nice to meet you and good to see you again. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. Merci. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.